Das ist eine Kröte. Und das Bakterien. Aber wo ist da die Verknüpfung? Um das herauszufinden, besuchen wir Vincent Calvez in seinem Büro. Er ist Mathematiker, spezialisiert auf biologische Fragestellungen. Moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est de mettre le vivant en équation autant que possible. C'est-à-dire donc trouver des modèles, des équations qui décrivent les problèmes du vivant. Et une fois que ces équations sont bien comprises, d'essayer de mieux comprendre le vivant à travers ces modèles. Bereits zu Beginn seiner Karriere hat sich Vincent für die Bewegung von Zellen interessiert. Da steht es. Seine Arbeit weckte sofort die Aufmerksamkeit großer Forschungsinstitute. Nous avons été contactés par des collègues de l'Institut Curie, donc à la fois un hôpital et un centre de recherche contre le cancer, qui travaillent sur des bactéries de la flore intestinale et dans la perspective à terme de pouvoir mieux comprendre les infections nosocomiales et qui avait isolé une expérience particulière de bactéries pour comprendre comment les bactéries s'organisent entre elles, comment est-ce qu'elles migrent collectivement. Bei diesem Versuch stellen die Forscher fest, dass die Bewegung einzelner Bakterien zwar chaotisch verläuft, kollektive Bewegungen jedoch gewisse Muster aufweisen. Ich beschleunige mal. Seht ihr es? C'est ce passage à l'échelle entre un individu et une foule qui, à mon avis, est intéressant à formaliser mathématiquement et où mathématiquement, on peut quelque part, par une seule équation, englober un nuage ou une foule tout entière, ce qui n'est pas évident à faire si on additionne 100 000 équations. Donc quelque part, le travail de mathématicien, c'est de remplacer 100 000 équations par une seule équation pour la foule tout entière. Vincent macht sich an die Arbeit und wendet sehr persönliche Methoden an. Hier die erste. Il faut trouver une manière de trouver. Alors, je pense que chacun a sa manière de faire. Moi, j'ai été amené petit à petit, et ça je me souviens depuis assez longtemps, à attendre. Ça peut durer quelques heures, ça peut durer quelques semaines ou quelques mois. Assis à ne rien faire, pour l'instant, c'est une bonne manière. Es scheint zu funktionieren. Das Geheimnis der Bakterienbewegung ist gelüftet. Ce qui existait beaucoup dans la littérature, c'est qu'un nuage de bactéries ou une foule de bactéries, ça se modélise très bien comme un fluide. Mais on s'est rendu compte que, d'une part, ça ne fonctionnait pas très bien par rapport à l'expérience qu'on avait sous les yeux. Et d'autre part, on avait plus l'impression d'avoir affaire à un gaz. Et ça a été le déclic, parce qu'une fois qu'on est rentré dans cette catégorie d'équations qui sont très bien connues pour la dynamique des gaz, tout a coulé de source, j'ai envie de dire. Voilà, donc ça, c'est l'équation que j'ai beaucoup étudiée pour décrire ce fameux gaz ou nuage de bactéries. Et donc, en deux mots, ça, c'est les bactéries qui bougent, et ça, c'est les bactéries qui changent de vitesse. On met tout ça dans la même équation, et ça fait une colonie de bactéries qui avance en bande. Kaum ist eine Etappe geschafft, tut sich ein neues mathematisches Problem auf. J'ai eu beaucoup de chance parce que il y avait une autre équation qui était un peu sur le grill à ce moment-là, qui avait rien à voir avec les bactéries, qui était pour des espèces invasives, qui avaient la capacité d'évoluer au fur et à mesure que l'espèce envahissait un nouveau territoire. Avec un cas d'étude, j'ai envie de dire, exceptionnel, qui est l'invasion du crapaud buffle, le crapaud de la canne à sucre, en Australie. Die Agerkröte, auch Rhinella marina genannt, stammt aus Zentralamerika. Sie kann bis zu 2 Kilogramm schwer werden und ist für ihre Gefräßigkeit bekannt. In den 1930er Jahren wurde sie in Australien eingeführt, um einen Käfer zu bekämpfen, der Zuckerrohrfelder verwüstete. Doch seitdem hat sich die Agerkröte stark vermehrt und halb Australien bevölkert. Die Geschwindigkeit dieser Invasion beträgt etwa 60 Kilometer pro Jahr und nimmt beständig zu. Große ökologische Probleme sind die Folge. La raison pour laquelle ça accélère, l'hypothèse forte et qui est certainement vraie, c'est qu'il y a donc de l'évolution et l'évolution, ce qu'on appelle de la dispersion, donc la manière dont les individus se déplacent. Donc leur endurance, leur taille, la longueur de leurs pattes, leur persistance, enfin bon, tout un tas de caractéristiques des espèces qui se déplacent, que cette caractéristique-là, la dispersion, évolue au fur et à mesure des générations. Et alors là, c'est assez simple de s'imaginer, même verbalement, que s'il y a des individus plus ou moins rapides au sein d'un front d'invasion, eh ben, les plus rapides vont se retrouver à l'avant, automatiquement. Et étant à l'avant et étant en capacité de reproduction, ils vont avoir des descendants de plus en plus rapides à l'avant du front.
Bei dem Versuch, diese Entwicklung modellhaft darzustellen, greift Vincent auf seine zweite Methode zurück. Une autre manière, c'est de marcher. J'aime beaucoup marcher et déambuler. Ça m'est arrivé de marcher sur les quais de la Saône par temps de pluie pendant quelques heures en attendant. Und wieder Bingo. Vincent überträgt die Prinzipien der Bakteriengleichungen auf die Kröten. L'équation avait déjà été proposée, elle a été simplifiée. Une fois qu'elle a été simplifiée, on a pu utiliser tout ce qu'on avait compris sur le gaz de bactéries, le nuage de bactéries, pour le remplacer en un nuage, une horde de crapauds, et comprendre comment l'aspect désordonné de cette population pouvait parfaitement expliquer l'accélération. Donc il y a essentiellement les crapauds qui se déplacent, ceux qui se reproduisent et ceux qui sont en compétition pour les ressources. Si on replace ce triangle à l'envers par un triangle à l'endroit, on observe des analogies qui sont des vraies analogies, qui ne sont pas juste des triangles dans un sens, qui pointent dans un sens ou dans l'autre. Il y a des vraies choses derrière qui permettent de les faire dialoguer entre elles. So könnte seine Arbeit sowohl im Kampf gegen die Verbreitung der Aggerkröte als auch gegen Bakterien von Nutzen sein und sogar die Entwicklung des Homo sapiens erklären, der in gewisser Weise ebenfalls zu den invasiven Arten gehört. Hast du eine dieser Kröten schon mal in echt gesehen, Vincent? Oui, j'ai évité le laboratoire des biologistes qui faisaient tous ces travaux d'observation, de relevés. Et du coup, j'ai eu quelques spécimens dans leur salle de laboratoire. J'en avais même tenu un dans les mains. Ah oui, c'est répugnant.